Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des appareils photo bridge. J'ai pas mal de questions là-dessus, que ce soit pour les débutants qui voudraient acheter ce type d'appareil ou encore des gens qui ont déjà des réflexes et qui voudraient avoir un appareil polyvalent lorsqu'ils veulent partir léger. Donc on va voir ça ensemble, l'intérêt, les évolutions du matériel, ce que je vous conseille en fonction de ce que vous voulez faire. C'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner en cliquant ici pour recevoir mes conseils une fois tous les 15 jours en moyenne. Comme ça, vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos que je publie. Alors, petit rappel, le bridge, c'est quoi Donc, en gros, c'est un gros compact. Avec un capteur plus ou moins grand, on va en reparler tout à l'heure, et un zoom super puissant qui permet d'aller du grand angle jusqu'au gros téléobjectif. Donc, c'est quelque chose de très polyvalent qui permet de faire vraiment tout type de photos sans avoir à changer d'appareil ou d'objectif. Alors, l'intérêt, eh bien, quand on est déjà équipé, c'est de partir avec du matériel plus léger. Et euh, l'autre intérêt, c'est si vous n'êtes pas encore équipé et que vous voulez avoir un appareil polyvalent, ben ça permet de tout faire sans exploser le budget et sans exploser la taille du sac photo. Alors les bridges, ça a été en vogue il y a une dizaine d'années, on en vendait beaucoup parce que les réflexes étaient encore assez chers, ils coûtaient en gros trois fois le, le prix actuel, donc c'était un bel investissement et les compacts étaient vraiment de mauvaise qualité, donc du coup moi-même j'en ai eu un, j'ai acheté un bridge, ce qui permettait déjà d'avoir plus de fonctionnalités sur l'appareil et d'avoir quelque chose de plus polyvalent sans dépenser des fortunes. Alors après, euh, les bridges sont tombés un petit peu en désuétude. Pourquoi Parce que ben, les réflexes sont devenus plus performants, moins encombrants et moins chers. Et du coup, les gens allaient plus facilement d'un compact à un réflexe quand ils voulaient vraiment euh, se mettre à la photo. Alors depuis peu... Il y a vraiment eu des évolutions, notamment depuis que les capteurs sont beaucoup plus grands sur les bridges. Alors pas tous, on va en reparler tout à l'heure, mais euh, on, voilà, on peut avoir maintenant euh, des qualités photos qui sont vraiment excellentes quand on choisit le bon bridge, et on peut même jouer avec la profondeur de champ beaucoup plus facilement, alors qu'avant c'était compliqué parce que les capteurs étaient vraiment euh, très petits. Alors, est-ce qu'acheter un bridge serait intéressant pour moi alors, on va prendre deux cas de figure. Euh, si vous êtes déjà équipé d'un réflexe et que vous en avez marre de tout transporter à chaque fois, ça peut être intéressant. Par contre, si vous voulez pas perdre en performance, il va falloir choisir le bon bridge. On va en reparler juste après. Si vous débutez, donc on l'a vu, ça permet, eh bien, d'avoir pas mal de fonctionnalités, de pouvoir photographier de loin, de près, sans exploser le budget et sans avoir plein d'objectifs à acheter. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, au niveau du budget, eh bien, on va voir ça aussi juste après, en fonction des gammes. Alors, pour moi, il y a trois gammes dans les Bridges. Les premiers entrées de gamme qui sont encore avec des petits capteurs et des fonctions limitées. Ça peut être, par exemple, ce type de modèle. Ça va être tous les modèles qui sont, en gros, en dessous de 300 euros. Donc là, c'est vraiment très limité. Je ne conseille pas ces Bridges, honnêtement, parce que je trouve qu'on est vraiment trop limité. À la rigueur, je conseille le FZ300. Euh, mais on reste quand même sur du petit capteur. Ensuite, on a la gamme moyenne, donc là, les budgets augmentent, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas d'objectif à racheter, on a vraiment tout, et là, on est aux alentours de 500 euros, donc je pense notamment au FZ1000, alors je vais beaucoup parler euh, des Panasonic et aussi euh, des Sony, il y a vraiment euh, d'autres remarques aussi qui font des bons bridges, mais je trouve que les meilleurs rapports qualité-prix, pour les entrées de gamme, moyenne gamme, on va plutôt aller sur Panasonic. Et sur le haut de gamme, il y a un modèle Sony qui est vraiment excellent et qui n'a pas d'équivalent. Donc moyenne gamme, 500-600 euros. Là, on a déjà des capteurs qui sont plus grands. On a des capteurs 1 pouce et on a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Il y a tous les réglages possibles. C'est bon en photo, c'est bon en vidéo. Ensuite, si vous recherchez vraiment la performance, Là, il y a le modèle haut de gamme Sony qui est vraiment excellent, où là, on va avoir une qualité optique, un grand capteur, plein de réglages, des fonctions vidéo euh, euh, vraiment euh, très poussées, euh, aussi poussées que sur les hybrides que je possède. Donc c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Le problème, quand même, c'est le prix. C'est que, voilà, il faut compter aux alentours de 1500 euros le bridge. Donc, ça peut paraître cher. Mais pour quelqu'un qui en a marre de trimballer tout son parc de réflexes, qui aime bien avoir une bonne qualité photo et qui veut tout euh, dans le même appareil, eh bien, je trouve que c'est plutôt un bon compromis. Alors, ça va pas convenir à tout le monde, c'est sûr. Mais c'est une solution. Hein. Donc, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter que ce type de matériel, si vous n'avez pas eu l'occasion, euh, eh bien, d'entendre de, parler de ça, Allez essayer et vraiment vous serez assez bluffé. Moi j'ai eu l'occasion de tester ces différents types de bridge et je suis assez bluffé par les réglages qu'on peut faire et la qualité que ça produit. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au bridge. On me pose souvent des questions là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un bridge ou un réflexe ou j'ai un réflexe, j'aimerais repasser sur du bridge pour avoir moins de choses à porter? Est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc voilà mon avis sur la question. Donc ça a bien évolué, on n'est plus sur des bridges d'il y a quelques années, les derniers bridges sont vraiment très très performants, donc moi ce que je vous invite à faire c'est d'essayer de prendre en main et de voir ce que ça donne et vous pourriez avoir de bonnes surprises. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, sortez et faites de belles photos. Salut